RTL Matin, les inattendus de Cyprien Signy. 7h58, Cyprien, le ministre vous écoute, et moi aussi, et nos auditeurs par la même occasion. Bah oui, et Elisabeth est restée avec. Formidable, parce que hier, dans une ambiance de folie, Gérald Darmanin présentait le budget à la commission des finances de l'Assemblée. Wouh ! Alors on va pas se le cacher, c'est assez aride comme exercice. Suppression de cotisations, augmentation de l'AAH, augmentation du minimum vieillesse. Oui, on se marre moyen à la commission des finances, en même temps c'est pas le but. En plus, pour ne rien arranger, ça tombe en plein pendant l'heure du déjeuner. Et c'est là que Gérald Darmanin a sorti sa botte secrète pour garder les députés en éveil. Il a fait l'impasse sur la poire, trop risqué, mais il a pensé au fromage en faisant livrer des plateaux à tout le monde. Oui, je me suis permis de préciser qu'à 13h, il y a du bon fromage entre Tourcoing et Roncq, monsieur le député. J'ai pas pris le plus odorant pour pas que vous me... Dans le Nord, on sait faire. Mangez sans crainte, monsieur Aubert, mangez sans crainte. C'est sans danger, comme dirait le film. Voilà. Il n'y a pas de beurre, non, mais monsieur le fromage. On apportera le beurre de Normandie. Allez, reprenons, s'il vous plaît. Oui, trêve d'enfantillage. Voilà, le sympathique Éric Woerth, qui présidait le débat, doit pas trop aimer le fromage. Au boulot. Bref, Gérald Darmanin a donc respecté la tradition du ministre qui apporte à manger aux députés en leur présentant le budget. Vous l'avez fait avec un fromage appelé Crayeux du Roncq ou Carré du Vinage qui, quoi que vous en disiez, est connu pour son odeur puissante. C'est pas moi qui le dis, c'est le producteur sur son site internet. Oui. Ça devait être sympa c'est dans la salle. C'est moins fort que le maroilles, quand même. Ouais, mais bon, il paraît quand même que ça sent. Sinon, juste pour info, à son époque, Jérôme Cahuzac, lui, ça ne s'invente pas, avait ramené des tuiles. Je vous jure que c'est vrai. Cyprien Signy.